Les troubles du métabolisme cellulaire. Alors, il faut savoir qu'une anomalie du métabolisme cellulaire se définit comme étant une accumulation anormale de substances variées. Alors, cette substance peut correspondre à une substance normale qui est produite soit en quantité normale ou augmentée. Mais le problème ici, c'est au niveau du métabolisme qui n'est pas adapté. Il peut correspondre également à une substance endogène qui peut être normale ou bien anormale, mais dans ce cas, le problème se pose au niveau donc des troubles, des anomalies génétiques qui touchent le métabolisme, le transport ou bien l'excrétion de cette substance. Ou bien carrément une substance exogène qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire qui est anormale et qui s'accumule dans la cellule. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types, ou bien plusieurs exemples d'accumulation de substances et de pigments, mais dans ce cours, on va essayer de citer les exemples les plus fréquents. On va commencer par les troubles du métabolisme des lipides. C'est ce qu'on appelle la plus fréquente ou bien les troubles les plus fréquents appelés stéatose hépatocytaire, qui se définit comme étant par une accumulation anormale de triglycérides dans les cellules parenchymateuses et spécialement au niveau des hépatocytes. Vous savez que ce sont les cellules les plus impliquées dans le métabolisme lipidique. Alors que cette accumulation des triglycérides, cette accumulation de triglycérides il survient suite à l'interaction de plusieurs étiologies. Ils peuvent être toxiques, hypoxiques, infectieuses ou bien à des troubles métaboliques, par exemple hyperglycémiques, qui vont interagir sur n'importe quelle étape du métabolisme lipidique, depuis l'entrée ou bien leur entrée dans la cellule sous forme d'acide gras jusqu'à leur sortie sous forme de lipoprotéines. D'accord? Alors, une accumulation anormale de triglycérides dans l'organe, ça va entraîner certainement des changements macroscopiques. Alors, au niveau du foie, on aura donc une augmentation de son volume, de sa consistance qui devient molle, avec changement de sa couleur, soit de façon locale ou bien focale ou diffuse, en couleur jaunâtre. Si on réalise un examen microscopique de ce parenchyme hépatique atteint par cette stéatose, on aura certainement des changements. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura donc une accumulation sous forme de gouttelettes optiquement vides, ce que vous voyez en bas. Donc ce sont les hépatocytes qui contiennent ces petites formations rondes intracytoplasmiques qui peuvent être macrovacuolaires ou bien microvacuolaires. Alors, quelle est la différence? La différence seulement, c'est au niveau de la taille. Macrovacuolaires, ce sont des gouttelettes de stéatose qui sont un peu plus volumineuses, qui refoulent le noyau en périphérie, bien sûr, de la cellule, et qui peuvent rompre la membrane cytoplasmique, donnant de véritables kystes graisseux. Alors que les inclusions microvacuolaires, ce sont vraiment rares et ils sont difficiles à voir et qui laissent le noyau central dans les hépatocytes. D'accord? Alors cette stéatose hépatocytaire, normalement, elle est d'évolution. Ce sont des lésions réversibles qui peuvent disparaître après l'arrêt de l'agression. Autre type d'accumulation de lipides, on a le cholestérol, qui va donner essentiellement des lésions d'athérosclérose, qu'on verra dans le chapitre athérosclérose. Alors, deuxième type d'accumulation, ou bien de troubles du métabolisme des glucides, qui peuvent toucher les glucides énergétiques, ce qu'on appelle le glycogène, ou bien constitutionnels, c'est ce qu'on appelle les mucopolysaccharides, ou bien carrément le glucose qui est la principale source d'énergie. Et bien sûr, on verra
Les troubles du métabolisme du glucose donnent ce qu'on appelle le diabète sucré. Alors, cette hyperglycémie va entraîner multiples ou bien plusieurs types de complications dégénératives qui touchent essentiellement les terminaisons nerveuses, donnant ce qu'on appelle les neuropathies diabétiques, ou bien les artères de petit calibre, donnant ce qu'on appelle les micro-angiopathies diabétiques. Alors là, ce que vous voyez, c'est une coupe histologique d'un parenchyme rénal d'un sujet diabétique qui présente une néphropathie diabétique ou bien une micro-angiopathie diabétique qui a entraîné des dépôts yaninisés au niveau des glomérules qui se voient sous forme de nodules bleus de Kimmsthal-Wilson, caractéristiques des néphropathies diabétiques. D'accord? Alors, ce sont des complications dégénératives qui surviennent suite à des perturbations du métabolisme des glucides. Alors, un autre exemple d'accumulation de pigments. Donc, un autre exemple, c'est l'accumulation de pigments. Alors, on va prendre ici la cholestase, donc c'est la plus fréquente. C'est défini comme étant par une accumulation de la bile au niveau du tissu hépatique, qui peut être suite à un obstacle au niveau des voies biliaires. Alors, cet obstacle peut être d'origine lithiasique, tumorale ou inflammatoire, ou bien en rapport avec un dysfonctionnement au niveau de la cellule qui élabore la bile, qui peut être d'origine toxique ou bien virale. Macroscopiquement, comme je l'ai déjà dit, donc ça va entraîner sûrement des perturbations macroscopiques. Alors la bile, elle est de couleur verte, pardon, donc ça va donner une coloration verdâtre du foie, ce que vous voyez. Donc c'est une tranche de section d'un carcinome hépatocellulaire au niveau du parenchyme rénal qui a entraîné des modifications de la couleur en périphérie suite à un obstacle d'origine tumorale. Donc vous voyez ces nodules verdâtres suite à des dépôts de la bile, pardon, au niveau du parenchyme hépatique. Et si on prend des prélèvements pour études microscopiques, on aura également des changements. Alors c'est quoi ces changements? Alors on aura des amas de couleur brun verdâtre qui vont se déposer soit au niveau des hépatocytes, soit au niveau des macrophages, soit au niveau des canaux biliaires ou bien des canalicules qui séparent les hépatocytes, alors qui correspondent bien à des dépôts ou bien à une accumulation de la bile à ce niveau. D'accord? Alors, la surcharge en fer, c'est ce qu'on appelle l'hémosidérose. Alors, cette surcharge peut être d'origine endogène, c'est-à-dire le fer endogène qui survient ou bien qui dérive de la destruction de l'hémoglobine, et elle peut être localisée, surtout dans les foyers hémorragiques traumatiques, ou bien généralisée qui se voit au cours de l'hémochromatose. Alors, l'accumulation du fer également peut être exogène, c'est-à-dire le fer qui vient d'ailleurs et qui s'accumule, c'est-à-dire de l'extérieur de l'organisme et qui s'accumule dans les tissus. Par exemple, si on prend un poumon des soudeurs à l'arc ou bien des ouvriers des mines, on va trouver des dépôts de fer ou bien des surcharges en fer très très importantes, entraînant changement de la consistance et de la couleur du poumon. Histologiquement, alors là, cette surcharge en fer ou bien en hémosidérine, ça va donner des amas ou bien des granulations brunâtres ou bien brun ocre, un peu brillantes, au niveau des cellules ou bien en extracellulaire. Parfois, il est difficile de faire la différence entre l'hémosidérine et d'autres types de substances, et dans ce cas, on est obligé d'utiliser une coloration histochimique spéciale. C'est ce qu'on appelle la coloration de Peierls, alors qui colore le fer ionisé en bleu, ce que vous voyez tout à fait à gauche. L'accumulation de calcium dans les tissus donne ce qu'on appelle les calcifications, qui survient ou bien qui s'observe dans deux circonstances. On a les calcifications dystrophiques, ce sont des calcifications observées dans les tissus lésés et nécrosés, ou bien qui sont favorisées parfois par la modification de la matrice conjonctive, comme dans les valvulopathies, dans des calcifications des valves cardiaques.
ou bien les calcosphérites ou bien les psammans observés dans certaines tumeurs comme les méningiomes et les carcinomes papillaires de la thyroïde. Alors, deuxième type de calcification, on a les calcifications dites métastatiques qui peuvent être observées dans les tissus sains suite à une ostéopathie destructrice, par exemple comme les métastases osseuses ou le myélome, ou bien secondaire à une hyperparathyroïdie primaire ou secondaire. Donc, ça va entraîner des calcifications. Macroscopiquement, ces calcifications s'observent sous forme d'induration, c'est-à-dire des zones dures, de couleur opaque, blanchâtre, et de consistance pierreuse, c'est-à-dire comme des pierres. D'accord? Ce que vous voyez en bas, c'est des calcifications valvulaires à droite et des calcifications mitrales à gauche, d'accord? C'est-à-dire dépôt de calcium à ce niveau. Et histologiquement, ces calcifications se voient sous forme de dépôts denses, amorphes, finement granulaires, pardon, et de couleur bleu violacé. Alors, ces dépôts intéressent surtout la région extracellulaire que l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire en intracellulaire. D'accord? Là, je vous remercie pour votre attention.